Bonjour à tous, c'est Killer et Shadow qui vous parle donc pour la suite de nos aventures sur Matami Online Game, donc le fameux jeu de Bionic le Flash sorti en 2001 et donc qui vous permettait de prendre la possession de Takua et d'explorer un peu le monde de Matami. Allez, donc là on a quelque chose à remettre à l'astronome. L'astronome. Donc, un prospectus trouvé à Nukoro en dessous de la Terre. Non, pas un prospectus, c'est un prospecteur, c'est un mec qui s'occupe des pierres, c'est pas un prospectus. Oui, parce qu'effectivement, je rappelle qu'avant, il était à Onikoro, donc on a vu qu'il n'arrivait plus à forer une certaine roche spéciale, et sur cette roche était inscrit un symbole, et donc on a fait une copie du symbole, et donc on l'amène à notre astronome pour qu'il dise ça. Qu'est-ce que c'est que ça. Et il semblerait que ce soit une sorte de loupe. Je crois que Sundial, c'est ça normalement. Une loupe, je sais pas trop, mais. Sundial, c'est plus un cadran solaire. Ah oui, un cadran solaire, oui, t'as raison. Qui a été utilisé il y a très longtemps. Ok, donc visiblement il indique 4 heures. Ok. Donc il nous a filé une espèce de. De foreuse, on dirait, non? Non, pas une foreuse, c'est un. C'est le pic qui va dessus, c'est ça? Un pic, oui. Et nous dire si ça, ou, ça va ou pas. Donc je suppose que ça va. Il a trouvé ça sur le mont Iyu, si vous voulez savoir. Il y a eu d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises, c'était un ami à Nuju qui est décédé, et donc il a décidé de nommer le nom en arrivant sur Matami en ce moment. D'accord. Je peux me tromper. Donc ça arrive. Allez. C'est reparti pour une superbe escale en bateau. Donc on va pouvoir y pour aller à Onimori. Je crois que tu me diras, on peut très bien y aller par Tawaii. Aussi, oui. Et quand on n'est pas sûr que ce soit ouvert, on préfère. Ah, je pense que salé maintenant, mais oui, effectivement. Je pense que sucré aussi, mais bon, voilà, c'est différent. Ça. C'est pas moi qui ai fait cette blague tout à l'heure. Si, mais je la refais parce qu'il est super tard et je suis mort. D'accord. Donc quand il est trop tard, je fais la même blague que toi. Donc. Ah, c'est, ça vole pas haut, hein. C'est la dégénérescence. Oui. Ah, il te crame. C'est super violent, quoi. Ah, de côté, comment ça, c'est un peu bizarre. Hein. Et surtout que t'as pas l'impression d'être dessus, donc. Ah, t'es quand même proche de lui, mais tu sais pas comment tu tiens dessus, quoi. Allez. Donc on va là, et ensuite on doit se retourner. Tiens, tu vas au fond, et ensuite tu te retournes. Non, je peux me retourner maintenant, je crois. Ah non, ok. Ouais. Ouais, il faut que je me retourne. Que j'aille là-dedans. Là. Oh. Non, faut que je continue. Les autres. Allez. On active le levier. On y va. Cet effet, mais c'est génial. On va donc au cadran. Foutez le camp, biatch, Irika. Allez. Fait espèce de nul. Tu l'as filé le truc ou pas? Mais je l'ai mis dessus quoi. T'aurais peut-être dû le montrer avant, non? Ça m'étonnerait que ce soit. Ça indique rien de particulier. Je crois que. Attends, 4. Ah, faut mais c'est truc. Con ça, je suis con. Ça? Des escaliers. Ouais. C'est un peu flippant, non? On a trouvé un masque doré? Bah non, c'est juste un haut en fait, hein, je pense. Je sais pas ce que ça veut dire là-haut. Pourquoi ça veut dire taille? Pourquoi je peux pas cliquer dessus? Non mais ça fait rien en fait, si je te le montre. C'est juste ça, t'as découvert une espèce de canoë bizarre. Moi, je sais pas ce qu'il y a écrit, il y a écrit A et I. Et... Waï, non? Vaï ou Vaï, je sais pas. Vaï, ça m'étonnerait qu'il y ouais, soit. Mais je sais pas, mais... J'ai pas regardé, attends, je vais y retourner. Donc, oui, le disque était un. C'est vrai, le disque était sur la surface, c'est vrai qu'on voit pas trop de là où on était. Ça pouvait arrêter de tourner aussi. Je sais pas si ça se trouve, c'est. Je sais plus si c'est un P, c'est vrai. C'est bizarre, enfin.
Ça ressemble à un P en effet, mais en bas c'est pas un A si. Si normalement c'est un A. Ça c'est bien, c'est Pai. Bah, je suis pas sûr que c'est un H. Hein. Pas qui, pas. Ah oui, parce que c'est bien un I pourtant ce truc là. Hein. À la fin, bah il y a A et I après les autres lettres, je suis pas sûr. J'ai pas mon alphabet bionique. Ah mais si, j'ai mon alphabet bionique. Le truc que vous avez dans les comics là. Excusez le changement d'éclairage. Ah d'accord, c'était pas dans les comics alors. Alors attends, ce qu'on a trouvé c'est quoi? Non c'est pas P, c'est pas P, parce que P il n'y a pas de ligne, c'est bien ce que je me disais. C'est. Ah ça veut dire Rai. Rai, ok. Bizarre. Rai. Bah écoute hein. Ramasse d'oreilles écrit. Je vais parler à Wenhua donc hein. Oula. Qui est un peu mal fait, je trouve. Voilà, vous carré quoi. Who are you? Vieux con. Je suis un des deux toits métro qui n'a servi à rien. Ne dites-le à personne. S'il vous plaît. Enfin trois même si on veut. Ouais. Enfin, c'est tant parce que sur le film, parce que sinon après ils sont un peu utiles, quoi. Oui. Oui, bah oui, c'est bon. On a compris quoi. Batisonu Koro. Maintenant qu'on est pourquoi 30 il... minutes. Ouais, je veux dire, pourquoi il pose ce genre de questions quoi. C'est à cœur, mec. The stuff of life, mec. Protodermis, the stuff of life. Bah, le machin de la vie. Le truc de la vie, quoi. C'est un peu explication hein, pour tout, quoi. Protodermis. Le big shot de la vie. Alors, si tu prends ton protodermis, ça fait des trucs. Et tu vis. Après, ce que ça fait, ça en sait rien. Ouais, il faut faire quoi maintenant? C'est bien gentil, mais. Bah, essaie d'aller directement à Lee, Lico maintenant. Bon, c'était là. Ouais, c'était là, ça. Elle va tout droit. Il vient juste de te le dire en plus. Hein. Je suis sûr que ça va être prêt bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Abruti. Ça m'a compris. What is. Non mais. Non mais, hey, tu te fous moi là un peu quoi. Il y a des gens qui vivent dans les arbres. Et je n'y suis jamais allé. Avec des hippies. C'est ça, il dit que c'est en plus des musiciens et tout. Qui on est plus? Bah, on est plus en plus, on le sait, on a fini un peu là. Ça veut dire qu'en fait. Ouais. Ouais. Je pense que tu peux. Allez, on est parti. Oh non. Dans l'Ikoro. Je pense qu'il y a un autre à voir de toute manière. Oui, mais j'ai testé. Manière, oui, c'est vrai que lui. Mais il arrête de faire des trucs à la con. Hein. Ok, d'accord. Il sert un peu à rien, lui. Hein. À peine arrivé, déjà capturé, quoi. Il la cherche aussi, hein. C'est joli. Ok, j'ai eu le temps de rien faire. Bonjour, bande de hippies. Personne prend la flûte. Tu peux jouer.
Ok, tu peux les voir aussi. Ah, c'est marrant, c'est le... C'est la flûte, quoi. Non, mais t'as vu, c'est le pin... c'est l'écrou Lego. Ouais. Ok, ils dorment tous, ou bien... Je sais pas. Faut leur faire de la musique pour qu'ils se réveillent. Ouais, tu peux peut-être monter encore, non? Donc il y avait deux chemins, non? Non, mais c'est, ouais, c'est quand je me suis retourné, j'aurais dû prendre par là, plutôt. Non. Ah, je peux peut-être me retourner maintenant. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, c'est là où tu viens. Ah, ok. J'aime beaucoup le pont qui bouge aussi. T'as vu? Ouais, j'ai vu. Je pense à pas vraiment le voir, tout de même. Tu vas tenter de jouer de la flûte au milieu de la place. Tu penses? Ah non, ouais, joue de la flûte. Prends la flûte. Ah ok. Et on revient en arrière. Appuie sur le gros bouton. Ah bah ok, fais ce que t'es venu te dire. Ok. Coucou. Je suis un stalker. Moi aussi. Eh oh. Tu fais une blague, voilà. Voilà ce qui se passe. Je me demande qui c'est lui. Lui on le connaît, non? Il me semble qu'il est connu aussi. Il me semble qu'il s'appelle Tamaru, mais je suis peut-être pas trompé. Ah oui, t'as raison. Ah, Tamaru. Je m'en souviens aussi. Weinsmann, mec. Heightfly Weinsmann. Donc il vole sur des vignes. Ça me semble totalement logique. Ouais. Alors, c'est un chef qui a eu de ta mère. Oui, attends quoi? Donc il y a un mec qui a été affecté par Makuta. Oh, il parle trop bizarrement lui, ça m'énerve. Bah, il parle en trispeak. Ce qui est chiant. Donc, ça semble des What bizarre. Is the RAM? Ah! Oui, donc il tient les rails qui volent. Oui. Ouais, il est Nurama quoi. Ok, donc Mato n'est pas là, Léo est parti. Qui êtes-vous? Ok. Qui est Matahu? Matahu, le Matahu, celui qui raconte des blagues nulles, tu sais, dans le second film. Et qui est ultra chiant dans le troisième. Au revoir. Oui, ça va, on ne s'en parle pas. Tu as cliqué sur l'autre, en fait, ça sera à chaque fois à lui. Non, mais lui, tu ne parles pas, c'est du village, quoi. C'est trop ça, en plus, tu vois, tu peux vraiment cliquer sur lui, quoi. Ah, tu vas retourner sur les trucs sur les côtés, voir si... Il fait peur lui hein. C'est genre il est un petit peu éloigné du groupe. C'est lui qui devant la cam en fait. Oui je crois bien. Non mais tu peux pas. Oh shit, oh shit. Des nuages noirs. Ah des Kongu. Non des. Que je raconte moi des. Des cailloux je crois. Ah c'est pas les. Oh putain. Ça, c'est celui-là. Allez, ta gueule, quoi. Ah, celui-là, mais on, c'est le modèle alternatif d'un... Oui. Des deux nuits... Jaga. Jaga, ouais, c'est oui. Ça. Hein. Ah, ok, d'accord, l'écran est fixé, tu peux rien faire, quoi. Il va falloir parler. Non, faut juste monter sur la zone, je crois. Hein. Oui, oui. Ah oui, donc c'était pas les queues, c'est lui. Ça.
C'est quoi cette musique? Un technoifié Rise of Valkyries. C'est très overpowered, ça, quand même. C'est très moche, hein. Ouais, tirer sur le truc, hein. C'est super dur, n'empêche. Là, il se déplace vraiment rapidement, quoi. Par contre, tu fais mal, je sais pas. Ah, tu vas te toucher. C'est quoi cette musique? C'est un peu bizarre, un peu plaisante. Mais moi, c'est que t'as pas de bruit de... Ou t'es trop touché, je crois. C'est pas simple. Tiens, tu veux essayer? Tu crains. Ouais, je sais. À moins que... Ah non, bah... Donc, je vais continuer avec la main droite et le coup. Ok. Faut recommencer, je pense. Ah, faut recommencer? Ouais. Faut que je joue de la flûte et tout Non. Ah. Bah, tu le fais? Ouais, je le fais. Personnellement, moi, ça me... Oh, putain. Non. Tu l'avais réussi du premier coup, toi? Ouais. C'est bon. Yeah! C'est trop ça! C'est en vrai, il a fait un gros joint! Il a fait quoi? Qu'il a fait un bon gros joint, quoi! T'as vu, c'est chiant, hein. Ah merde, je me suis fait comme ça aussi. Ah putain, d'accord, on voit les ailes qui s'abîment, en fait. Je ferais bien faire attention parce que tes deux ailes sont toutes niquées, donc... C'est ça, parce qu'il y a aucun qui a touché ma... Putain. T'as pas donc encore plus rapidement que moi. Tu peux te taire, s'il te plaît, hein. Non, j'ai la flemme. On va faire quelques essais, puis si on se foire trop, on foire caméra, je pense. Pourquoi ça fait comme un avion, là? De quoi? Le bruit? Oui. Je sais pas, moi. C'est un oiseau futuriste, donc il fait des bruits d'avion. Et de la musique. Wow. Tu as la musique. Ah, j'ai trop envie de la réentendre, en plus. Vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Par contre, il avait le bec jaune, comme ça? Je sais plus. Je pense pas qu'il y ait du jaune dans les nuages. Oui, c'est pour ça. Ça, hein. Oui, mais c'est trop ça en plus, quoi. Les mecs, ils ont fumé un bon gros joint à une partie et c'est parti pour l'aventure, hein. C'est pour ça qu'on s'est autant touché, tu me diras. Merde. Oh putain. Peut-être que tu peux concentrer des tirs aussi, non? Pour le moment, tu t'es pas fait toucher en tous les cas. Là, par contre, si. Fais attention. Mais. Ouais, là, tu te fais massacrer, mon gars. Je sais pas pourquoi, c'est un peu trop... De toute manière, il reste toujours à gauche, là. Tu devrais tirer à gauche, je pense. Tirer à gauche, ça n'a pas marché. Mais c'est-à-dire à droite. Mais moi, j'ai tiré... Faut tirer quand même avant qu'il fasse ça, quoi. Ah bon? Bah oui, je sais pas, moi. Saute! Pourquoi tu sautes pas? Vas-y, j'ai compris. Boum. On s'écrase toujours au même endroit, hein. Chaque fois on revient super vite hélico pour eux, tiens. Bah attends, ouais. Attends, il a dit qu'il était super rapide aussi, hein. C'est bizarre, il me semble que c'est super rapide le jeu. Peut-être que son vieux PC qui rame, toi, je joue genre en mode plus lent et, et comme ça je peux passer tout plus facilement, je sais oui, pas. Oui, en 30 FPS, c'est ça. Oui, peut-être, mais. Là, ça, c'est un peu trop fast pour moi, quoi. Ouais. On est juste trop nul. Oui, je crois bien aussi, ouais. Oh. On fait encore deux essais en comptant celui-là. D'accord.
Mais The Wind. Très con ça. Ah mais dégage toi. En plus ouais, il n'y a pas d'animation précise pour voir qu'il est mort quoi. Tu la vois super rapidement et puis dégage quoi. Mais en fait ouais, quand il fait ça, c'est trop tard quoi. Ouais, la tête nue. Attention, la musique a changé mec. Il y a deux passages comme ça je crois. Ça touche... C'est moi avec les verres qui t'attaquent. Attention mec, tu te fais toucher une fois, tu meurs. Ça me tombe très chaud. Oh putain, tu veux j'essaye? Fais-toi plaisir. Non, ça me fait pas vraiment plaisir là, je t'avoue. Ouais. Ah, c'est une fois que ça arrive pas. Ouais, on coupera et ouais. Donc c'est un peu chiant si on. Bah, tu lanceras la vidéo si on va plus loin quoi. Ouais, on lancera, d'accord. Non, j'en ai marre de faire tout le temps la même chose, d'aller t'atterrir toujours sur le même arbre. Boing. Et de voler toujours sur le même oiseau qui répare en 10 secondes aussi. C'est rapide, attends, je crois pas. Ouais. Ah putain. Il est cool là, la couleur son masque là. De quoi? La couleur son masque est cool, l'espèce de vert clair. Ouais, l'espèce de vert clair, il est pas mal en effet. Bouffou. Voilà. C'est un peu plus. Je crois que ouais, tu vas jouer toi parce que moi je suis tellement une quiche que. Ouais, donc on va s'arrêter là et puis si on arrive plus loin, on va relancer, d'accord? D'accord, y'a pas de problème. Allez, bien sûr, on va apprécier la vidéo. Et puis nous, on vous laisse sur un crash. Hein. Voilà, allez, et on se retrouve à plus tard. Plus tard.